vous demandez surtout pas pourquoi c'est la confusion qui règne. Parce que la réponse va de soi. C'est à cause de la profusion des faits divers. C'est à cause de la profusion des faits divers. C'est à cause de la profusion des faits divers. C'est le disque rayé par la diversité qui nous rappelle chaque jour que la médaille a un revers. Que ce sont nos malheurs qui indiquent l'heure et que toutes les chaînes d'infos continuent d'y puiser leur bonheur. Ah, avec la femme battue, oui, ou avec l'homme abattu. Mais c'est fiché, affiché, parce que notre monde est fichu. Retors et tordu. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne relate ou ne relaye les faits dits divers que pour faire diversion. Que pour nous écarter du sillon ou détourner notre attention. Diversion. Diversion, c'est le mot-clé pour comprendre l'actualité et ne plus la prendre telle qu'elle est étayée, imagée ou représentée. Alors la question n'est pas de savoir ce qu'on cherche à vous montrer, ni ce qu'on cherche à vous cacher, mais de savoir pourquoi cette soudaine course contre la montre. Rien que pour nous montrer que la montre est désormais cassée. Que l'heure n'indique plus l'heure, mais la peur. L'horreur, la terreur du plus petit commun dénominateur. Et ce qui est le plus marquant et le plus remarquable, c'est leur interprétation des faits qui relève de l'analyse psychiatrique plutôt que politique. Ah, mais oui, c'est dingue ça. Ça me rappelle ce qui s'est passé récemment dans un asile d'aliénés mentaux. Vous savez qu'ils ont toujours un fait divers sous le manteau. Et trois parmi eux fréquentaient, mais assidûment, la bibliothèque. Alors que les trois étaient analphabètes. Ils n'arrêtaient pas d'éplucher les livres, éplucher les livres, éplucher les livres, de ma thématique à ta thématique, en passant par sa thématique. Étonnant. Et étonné, le psychiatre attitré les convoqua pour tirer les choses au clair. Je vais commencer par le plus simple, leur dit-il. Dites-moi combien font 3 fois 4. Alors le premier réfléchit en soupirant, puis dit... Jean-Paul Sartre ! Rien d'étonnant, murmure le psychiatre. Oui, un homme averti en vaut 12. Le deuxième réfléchit en sourcillant. 3 fois 4, t'as fait 3444. Et il le dit avec un espèce d'accent chinois. Oui, parce qu'il se prend pour un chinois débarqué de Chine. Encore moins étonnant, murmura le psychiatre, content de s'y retrouver. Le troisième sourit et ne réfléchit pas. 3 fois 4, cela fait 12. Alors là, le psychiatre n'en revient pas. Oui, parce qu'il est un peu rassis sur les bords, et puis ce patient, précisément, c'était un homme de couleur. Alors il lui dit, dis-moi, comment tu as fait pour trouver 12? C'est un jeu d'enfant, répondit le patient. J'ai divisé Jean-Paul Sartre par 3444, ce qui fait 12. Bon, cette histoire n'est pas très très drôle, je l'admets, mais elle révèle bien à travers cette distribution des rôles que tout est affaire d'interprétation ou de mésinterprétation de nos revers. Et le quatrième pouvoir cherche les faits, et seulement les faits, susceptibles de produire des effets, comme la peur, l'horreur, ou encore la terreur. Et non pour dynamiser la pensée, non, mais pour la paralyser. Et non pas avec une version, mais avec
au moins diversion. Diversion.